Johan et Antoine, vous affrontez pour un ultra portable Lenovo 14 pouces. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Johan, tu choisis ton équipe Moscato ou Dimeco? Bah, moi, je vais rester avec le footeux avec Eric. Ah oui. Johan, Maryse et Eric contre Antoine, Pierre Antoine et Vincent. Quoi. C'est parti. Allez, on y va. Tiens, en la Coupe du Monde, c'est 21 jours avant la Coupe du Monde, Vincent. Ouais, tu la sens, cette Coupe du Monde arrivée en Russie, là. Qui va chanter l'hymne officiel de la Coupe du Monde de foot cette année? Oula. Mathieu. Énorme mégastar mondial. Rihanna, Bono. L'extrait sera révélé demain. Mondial, Justin Timberlake. On l'a très connu du côté de Bel Air. Bel Air, le prince de Bel Air. Ah, c'est Will Smith. Will Smith, Maryse. C'est Will Smith qui va chanter l'hymne. Bravo, Maryse. Je l'avais, mais bravo, Marie. Il est bon, lui, ou pas? Il sait tout faire, lui. Il chante, il danse. Que disait le mystère de l'Ouest. Mystère de l'Ouest, ouais. Lui, c'est énorme. Vincent James qui West. Imite Will Smith, c'est bon, mythique. Hein. Ah, c'est bon, ça. Will Smith, c'est une bonne idée. Je lui dis le prince de Bel Air. Je vous fais quoi. Alors, on va l'inviter, t'as l'air. Ouais. Il vient de venir en plus. How are you? Michel Denisot, il a vu Will Smith régulièrement. Sûr, mais tu sais quoi, ces mecs-là, chaque fois, tu sais que les Américains, dès qu'ils sont sur un plateau, ils font le show direct. Bien sûr. Le mec est capable de venir à la radio voir Vincent. Mais hein. Tu sais quoi, Michel Denisot, il a invité dans le Grand Journal, etc., peut-être 5 ou 6 fois Will Smith. Ouais. Il le croise à Cannes cette année. Il le croise à Cannes, Will Smith, il voit Michel Denisot, il va le voir. Hi Michel, how are you? Ouais, mais c'est des machines de guerre. Alors que Vincent, quand il croise Michel Denisot, même pas de calcul. Il dit ça va Michel, ça va Michel. C'est pas ça, c'est j'ai dit ça va Michel. 1-0 pour Johan, équipe Evon GP, Dimeco. Qui dit? Attention, Azarenka et Safarova seront aussi dangereuses que Serena dans les premiers tours. Sarapitovski. Qui? Sarapitovski. Non, c'est pas ça. Muratoglou. Elle va peut-être être confrontée Benetto. Directement à Ostapenko. Ses filles. Non. Corner. Karen Garcia. Non. Mladenovic. Oui. Kristina. On les aura toutes faites. Kristina Mladenovic. Kiki. 2-0 pour Johan. Ah merde, non, je devais être calme aujourd'hui. Si tu mets des noms qui sont imprononçables pour Vincent, c'est. Ouais, mais Vincent, tu peux dire Bladenovic, ça va. J'accepte. Ou Kiki. Kiki. Franchement, sur le tennis, tu me dis Kiki, j'accepte. Kiki. Sur Bladenovic, la prochaine fois, d'accord. Je comprends pas. Si Flore, il fait plus les filles, je comprends pas. Là, ouais, t'es en train de devenir dingo. Non, j'arrête. Ce jeu me rend dingo, je comprends pas pourquoi. 2-0. On démarre. Les deux premiers points, ils se les laissent pour les grosses, pour le panneau. Ne. BFM TV, ne criez pas tout de suite, c'est pas évident, d'accord? Parce que ça peut vous paraître évident, mais c'est pas évident. Qui a dit? Mes problèmes cardiaques viennent de là. Le Toubib n'était pas Ginola. Fou. Il m'a demandé. Vous n'auriez pas autrefois pris des choses pour vous stimuler? J'ai effectivement eu cette période de boîte de nuit. Oui, c'est. De cocaïne, d'invitation. Oui, c'est. Comment il s'appelle? Le chanteur, le blanc. Au moment où je le vivais, c'était amusant. Non, je veux très court. Il a eu une sale période. Comment il s'appelle Maryse? Maman est folle, effectivement. Et oui, Maryse, le chanteur qui chante. Mais non, comment il s'appelle? Celui qui chantait. Initiale WS. William Shakespeare. C'est moi. Putain, je l'ai mis il y a deux jours, le truc. Non, mais il faut que tu comprennes, Eric, que quand tu gueules William comme ça, je ne trouve plus rien. 3-0 pour Johan. Il raconte son dans Paris Match, Vincent, il a traversé une période mais de noir total, drogue, alcool, etc. Il est en train de s'en rendre. Et il a mis un coup de rap à, comment elle s'appelle, Catherine Lara et il met des coups de rap à tout le monde dans l'interview. Ouais. Il est en roue libre, il est extraordinaire, William Scheller. Oh putain, voilà. Je perds la main. C'est quelqu'un qui est tourmenté, on va dire, William Scheller. Il a du talent. Quoi. Il a du talent. Il a du talent, mais il est tourmenté. Je vois les mecs et j'arrive pas à dire leur nom. C'est un problème, ça, docteur. Il y a plein de docteurs qui peuvent m'aider. Moi, celui-là, je le connais. Je te dis. T'adores William Scheller, toi, en plus. Ah bah ouais. Maman est folle, on n'y peut rien. C'est génial, ça. 3-0, non? 3-0, exactement, pour Johan Evangé Pedimeco. 5 minutes de qui dans ce qui a dit? C'est officiel, les amis. 5 minutes de qui dans ce qui a dit? Oui, aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Ça arrive, c'est. Kylian Mbappé, c'est officiel, va porter le numéro 10 à la Coupe du Monde de foot en Russie. Ça y est, les numéros sont attribués. Il a demandé le 10 et Deschamps lui a accordé. C'est beau. Mais qui portait ce numéro 10 à l'Euro 2016? André-Pierre Gignac. Bonne réponse de Pierre Dorian. André-Pierre Gignac, bien joué. Non, c'est le 9 à la Coupe du Monde. Gignac. 3-3. Bravo. 3-3. 3-1 pour Johan. C'était pas un drop, ça? 5 minutes. Qui a dit? On va faire un petit caca parler. Caca parler. Finalement, le ballon est venu rebondir sur le dos de Marin. Julien Landry. Pierre Dorian, bonne réponse.
Ouais, mais attends, finis tes phrases avant qu'on balance les sons. Alors, le son est parti avant que je finisse la phrase, je suis pas responsable. Non, mais là, à un moment donné. Je savais même pas, j'ai l'impression que je croyais que c'était une erreur. Je crois que c'était une erreur. Déjà tout à l'heure, il y a une son qui est partie quand il fallait pas. Le son est parti avant. C'est pour Marisa. Pour moi, je sais pas ce qui se passe à ce moment. Bien sûr, mais c'est très bien que Pierre ait compris, mais moi, je pensais que c'était une erreur de prod. C'est vrai. Non, mais là, ça commence à trop faire. En tant que journaliste de RMC, tu t'attends pas à ce que ça soit le truc. C'était l'erreur, c'est pour ça que j'ai rien dit. On en 3-2 pour Johan, Julien Landry, Dimeco et Van GP. BFM TV, allons-y. 4 minutes. Kikadi. Monsieur Sarkozy, bonjour. Ah, c'est Zuckerberg. Mais non, c'est Élise Lucet. Élise Lucet, oui. Bah, qui a appelé Nicolas Sarkozy dans Cache Investigation en direct. Ouais, ça va. Et Nicolas Sarkozy a répondu en lui raccrochant au nez. Voilà. Pourquoi tu dis ça va? Ça va. Ça va. On est bien 3-3. 3-3, bah, égalité. Je dirais que Pierre est bien. Pierre est bien. On a un Pierre là. Bien sûr. Parce que Vincent Moscato, il n'est pas oui, là. Oui, mais nous, on est collectif. Question auditeur. Ce n'est pas. Alors, Johan et Antoine. Cette question peut faire très mal au rugby français, Vincent. C'est pas grave, on s'en remettra. D'accord. Johan et Antoine, citez-moi un des 5 entraîneurs présents en demi-finale du top 14 à Lyon ce week-end. Pierre Mignoni. Pierre Mignoni, bonne réponse. Mino. C'est Antoine. C'est Antoine. Bravo, Mino. Bien joué. C'est Antoine qui prend et l'avantage. Donc 4-3. C'est l'équipe Moscato. Il y a 4 équipes qui jouent les demi-finales. J'ai dit 5 entraîneurs. Antoine. L'habit de travers est un duo. Ils sont 2. Urios, Cotter, Mignoni. Voilà. Ah, c'est ça. Ouais, c'est tellement difficile ce sport, ils sont obligés entre deux. Quoi. Exactement. Ça arrive jamais au foot, ça d'ailleurs. Non, et là, tu vois, tu ne soulignes pas que l'auditeur a bien répondu. Bravo, tu dis toujours ça fait du mal au rugby. Mais non, là, ça fait du bien au rugby. C'est encourageant pour le rugby. Au foot, c'est pas possible. Schoenart aujourd'hui. Deux entraîneurs, Eric. Alors, je vais tenter un truc. Parce que De Gaulle, ça jamais fait l'intelligence. C'est un face-à-face, Maryse Vincent. Allez. Je tente un. Concentré, hein. Je tente un truc. Je le tente. À 17h, qui a dit. Il est 17h, les informations présentées par Véronique Verdun. Bonjour Véronique. Dorian. Pierre non. Dorian, bonne réponse de Vincent Moscato. Monsieur nul. Mais ça me déconne. Adrien, oui. Si tu as plus envie de le faire, le Kikadi, tu l'as laissé quelques dents dans ton rédaction. C'est nul, mais une question de Morgane. Morgane, où est envie de le faire, Morgane? C'est ce qu'a dit Pierrot à 17h, c'est le Kikadi. D'accord, mais arrête. En fait, tu les prends. Mais Kikadi, t'es un gros con, mais c'est moi. En fait, tu les prends tellement pour des benets que tu pensais qu'ils allaient se tromper. Non, mais si tu as pas envie, Adrien, il y a Morgane Maury. Ça fait longtemps qu'il a pas fait la mine. À ce genre de questions, c'est insultant. Alors, deux minutes et deux points d'écart. C'était juste pour qu'il fasse pas air qui cadit. Sans déconner. Relevons le niveau. Moi, j'ai fait le TV. Je pensais que t'aurais réagi pour Marisa. Non, je réponds pas aux questions. T'es là, je réponds pas. On se concentre. Ne vous méprenez pas. Je ne suis pas hostile à la baisse du nombre de parlementaires. Côté. Philippe. Il mène la vie dure à Emmanuel Macron en ce moment sur la réforme. Ah, Ruffin. Mélenchon. Non, il est au. Mélenchon. C'est le deuxième personnage de l'État. Ah, c'est Philippe. Non, c'est au commissaire Le Maire. De Régis. Darmanin. Dans l'ordre, si Emmanuel Macron disparaît, ce sera lui président. C'est le Sénat. Putain, qu'on est nul, quoi. C'est Larcher. Larcher, Pierre Dorian. Gérard Larcher. Et quand on commence avec le prénom, ça compte pas. Je pense que j'ai commencé à avoir son problème. La jurisprudence, ça fait 6-3. Gérard Larcher, le président du Sénat, qui est en train de négocier la réforme des institutions. Je ne peux pas demander une réécoute. Tu peux demander, mais je pense que ça ne sert à rien. Mais tu réécoutes, c'est pas de soucis. Non, mais Marie, je ne demande pas, parce que même si tu es 2 secondes d'avant, ce ne sera pas toi. Un coup, c'est s'il faut dire le nom entier, un coup, c'est que le nom. Réécoute, Fred, comme ça, il n'y aura pas de doute. Bon, allez, vas-y. Sport féminin. L'entraîneur des filles de l'Olympique Lyonnais, oui. Pedros, qui s'appelle Reynald Pedros, ouais. En 1997, il a joué 4 matchs avec une équipe, laquelle? Nantes, l'OL. Et après il est parti comment? Marseille, Nantes. Non, L'OL. C'était Paris. Lorient. Le même pays que Parme, je me souvenais plus. Bologne. Non. La Fiorentina. Naples. Italie. Naples, oui, Napoli. Il a joué 4 matchs avec Naples, Pedros. Tu vois, tu nous as induit en erreur. Le même pays que Parme, je dis l'Italie, tu dis non. L'Italie, c'est pas une ville. Tu viens de dire le même pays que Parme. Oui, le même pays que Parme, c'est l'Italie. Oui, mais c'est pas la bonne réponse. Elle a raison, Marie. Écoute, Elle a raison, Marie. Je suis désolé, mais le même pays que Parme, c'est l'Italie. Si tu t'attends de devenir plus con qu'Éric, Marie, tu me dis une ville dans le même pays que Parme. Je te dis autre chose, mais tu me dis le même pays que Parme, c'est l'Italie. Pas si fleur, Marie. Allez, stop. C'est gagné pour Antoine.